Yeah. Yeah, 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 yeah. Classic. Back then when I was a new youngin', Charlie was tryna run on me. I've been going on my own. I've been doing things unknown. It's a day one, you running right back. Say the drama, you running off track. It's a one life, you tell me one. Je suis Madame Coquerel, la gérante de l'entreprise Choucassique, située à Port-Louis, en Guadeloupe. Notre produit phare, c'est les dentelles de coco. J'ai une équipe avec moi. J'ai notre pâtissière qui s'appelle Laetitia et Silvio qui est le tourrier. No more damages now. Say, tell me what you need from me now. I'm not what you need to be now. Cause I'm done with it now. Donc, du coup, Madame Coquerel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de casser et de classer les dentelles. Là. De les empiler et de les mettre par 6. Parce que les sachets sont de 6 dentelles. Donc, comme c'est fait, c'est calibré. Donc, on sait que ça fait plus de. Ça fait plus de 60 grammes. D'accord. Chaque dentelle a la même épaisseur. Et qu'est-ce que vous regardez? Je vous vois en train de regarder rapidement. Des fois, vous les tournez? Oui, pour voir s'il y a un petit défaut, si pour que ça soit joli. Quoi. Que ce soit des beaux sachets. Donc, s'il y a une dentelle qui est un petit peu, voilà, un petit peu, qui n'est pas droite, je vais la mettre au milieu parce qu'elle va casser. D'accord. Elle va casser les autres. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être dans la confiserie? Avant la confiserie, j'étais laborantine. Donc j'ai été quand même 33 ans laborantine. D'accord. Et la confiserie, c'était pour moi une passion. Donc j'ai fait la confiserie. J'ai fait une formation de pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier. J'ai fait la totale. Et après, je me suis lancée dans la confiserie parce que c'est la confiserie qui m'a toujours intéressée dès que petite. Mais le fait d'être laborantine, d'avoir été laborantine, ça aide énormément pour l'agrotransformation parce qu'on a déjà on a une bonne base. D'accord. Et quand vous dites laborantine, c'était dans quel domaine? Peu importe le domaine, Peu importe le domaine, parce qu'au départ, j'étais laborantine. J'ai fait une formation de laborantine pour être un petit peu dans la chimie ou le médical. D'accord. Et bon, je me suis dirigée vers le médical. Mais la chimie reste la chimie, qu'elle soit médicale ou industrielle. Et ça aide beaucoup à comprendre les choses, à la transformation des choses. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Oui, surtout vous parliez tout à l'heure d'humidité. Ah oui, je parlais d'humidité produit parce que... qui est hyper fragile. Voilà, on est en Guadeloupe, on a un taux d'humidité qui est très élevé. Donc quand on travaille le sucre, quand on travaille les biscuits, il faut faire attention parce que... ça absorbe très vite l'humidité. Vous déposez quelque chose là, 10 minutes après, vous touchez la chose et elle a déjà ramolli. Et quand vous faites la sucrerie aussi, c'est pareil. Quand vous travaillez le sucre, c'est pareil. Si vous ne savez pas ça, vous traînez et votre sucre devient liquide. Et ce qu'on cherche, la dentelle de coco, on ne va peut-être pas l'entendre, mais c'est le craquant, c'est ça en fait. Voilà, c'est le petit craquant, que ces dentelles, c'est la spécificité des dentelles de coco. Et ça, tout le travail de Madame Coquerel, justement, ça a été de réussir à garder ce croustillant en Guadeloupe, avec l'humidité, le taux d'humidité qu'il y a. Miel d'ici. Miel d'ici. Que vous récoltez ou vous non, demandez non, à prendre un...
un apiculteur qui vous fournit le... qui fait du miel d'une grande terre. Ah, mais qu'il faut que j'aille voir aussi. Un apiculteur. Tout le monde connaît ça. Ah là là là, là. Ça. Et donc les sucettes. Premier lit. Sucette miel. Top. Donc là, il y a cacahuète. Tu mets les étiquettes sur. Acajou. Yeah, 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 yeah. Classic. Back then when I was a new youngin, Charlie was tryna run on me. I've been going on my own. I've been doing things unknown. It's a day when you running right back. Say the drama, you running. Bonjour, je m'appelle Sylvain Sivio et je suis employé au sein de l'entreprise Chocassic. Je m'appelle Laetitia, je travaille en entreprise Chocassic à Port-Louis. Je suis pâtissière. Alors, et donc là, dis-moi ce que tu es en train de finaliser. Je sais qu'il me déquitte. Mais quel parfum, là, c'est nature. Mm-hmm. On met la date aussi. Là, c'est juste le 4 avril 2022. Alors là, c'est la dernière étape avant de mettre soit en vitrine ou alors de partir en livraison. Avec les informations obligatoires. Et donc ça part sur toute la Guadeloupe et même à l'international. Et le résultat final. Ouais. Celle-là c'est nature, mais il y en a aussi au gingembre, guayave. Il y a au moins 5 ou 6 variétés, je crois. By me stomach, forget the whiskey. But you still wanna get back with me. You tryna be the one and deal with. Don't got my phone, you're not in my mind. You me still waiting, not the one chance. I live my life, don't need you with me. Yeah, yeah. So tell me what you need from me now. I know what you need to be now. Cause I'm done with it now. No my damages now. So tell me what you need from me now. You know what I need to be now. Cause